Donc, Mélodie, on est ici au stationnement juste avant l'entrée du sentier Ruisseau des Chênes, qui est la première section du parcours de la traversée du parc national du Mont Harford. Donc, aujourd'hui, tu t'en viens faire une tentative de FKT. Donc, peux-tu décrire un peu c'est quoi le parcours de la traversée, puis qu'est-ce qui t'a motivé à essayer ces défis-là aujourd'hui? Oui, dans le fond, le parcours de la traversée d'Harford, c'est environ 22-23 km qui part, justement, comme tu disais, du Ruisseau des Chênes en bas d'Harford. On monte jusqu'en haut de Harford, on descend un petit peu par la Grande Coulée, on fait les crêtes au complet, qui est la partie vraiment super technique. Là, en Estrie, il n'y a pas grand-chose de plus technique que les crêtes. Et qu'on descend de l'autre côté, puis on se rend jusqu'au Mont Chauve pour monter le Mont Chauve, descendre le Mont Chauve de l'autre côté, puis ça termine à cet endroit-là. On voulait faire un gros training, un bon training pratique de race. C'est mon coach en fait qui me l'a proposé là, pour voir en me comparant justement au résultat de la course Five Peaks des personnes qui avaient fait des bons temps là, comme Lynn Desset, juste pour donner un bon effort aujourd'hui. J'ai pas fait de taper, je suis comme quand même en fatigue, fait que le but c'est vraiment faire un gros entraînement puis voir qu'est-ce que ça va donner. All right, let's do it. Ok, let's go. Alright, good job gang. On se voit tantôt là. Yes. Ok, donc je les attends maintenant. On est à environ 45 minutes de leur départ. Donc on est maintenant juste après le sommet du Mont Harford qui est juste un peu plus haut là-bas. Donc eux ils vont arriver par ici, par la piste de ski qui s'appelle la Grande Coulée. Donc ils vont descendre ici. Donc une descente très très à pic, mais seulement environ 500 mètres. Puis rendu en bas de la descente, ils vont entrer dans le sentier des crêtes, qui est la section la plus technique du parcours au complet. Mais... Allez, let's go, Mélodie! Salut Chris. Et comment ça se passe? Le ruisseau, je l'aime toujours pas. Ouais, pas grand monde qui l'aime ce sentier-là. Il fait chaud. Ça se chauffe un peu, mais. Ouais. Ça va. Nice.
Bye. That's brownie, là. Oh, c'est ici que je vous laisse, moi. Ouais. Ben, allez, lâchez pas, là. Tantôt. On se voit à la fin. Tu as fait un demi-tour? Ouais. Ok, bon. On se voit tantôt. Good job, man. À tantôt. Allez, allez, allez! Let's go, le fond de bois. 200 mètres. Stay sharp. All right. Oh my god. Oh, je sais pas si je l'ai. Good job. Vas-y. Oh my god. Oh, c'était tough. Plus jamais les crêtes. As-tu tombé, je vois, avec ton genou? Ouais, j'ai tombé. Dans quelle section? C'est à fin. Ah ouais, quoi? Je renais, mais comme mes jambes étaient rendues du jello, fait que j'étais plus safe. Alright, fait que Mélodie, on est, bon, on va dire 10 minutes après ton arrivée. Fait que c'est quoi tes premières impressions? Comment ça s'est passé? Enfin! c'est quand même très très dur, là, la traversée. J'avais hâte de finir, là. Je dirais que ça a été tough. Puis en rendu en haut de Chauve, on a comme calculé qu'il restait 4 kilos de descente, puis qu'il nous restait comme 24 minutes pour la faire. Fait que là,
suis comme, ok, un dernier effort, là, vu que je suis proche du, de l'avoir, là, on y va, puis j'ai tout donné pour finir. C'est quoi les sections que tu as trouvées les plus difficiles? Je sais que tu me disais que c'était comme les cracks, là, parce que c'est comme la section la plus technique. Je te dirais que, en fait, ça a vraiment bien été les cracks. On dirait que ça. Je suis vraiment surprise. Le début, le ruisseau. Le saut des chaînes, là, je l'aime pas. Sinon, à part de ça, je trouvais que les crêtes, ça a quand même bien été, ça a roulé. Puis, pas à cause du technique ou du sentier, mais la montée de chauffe, c'était l'énergie là, qui commençait à manquer, puis j'avais hâte que ça finisse. Là. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais pas sûre, c'était quoi ta prochaine course? T'as-tu décidé finalement qu'est-ce que t'allais faire? Oui. Là, ma prochaine course, c'est les Chic-Chocs. Fait que ultra trail des Chic-Chocs, je vais faire le 23. Okay. Puis après ça, là, ça va être en septembre à Whistler, le Whistler Alpine Meadow, le 50. Nice. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait du bien. Là, on a eu beaucoup de compétitions tout de suite. Puis là, j'ai le temps de rentrer des bonnes semaines d'entraînement. Puis ça fait du bien de prendre le temps de s'entraîner. Là. Cool. Ben écoute, merci encore. Puis bravo pour aujourd'hui. Ben merci beaucoup.